régalienne de l'ITRAT, Institut tchadien de recherche agronomique pour le développement, est de rechercher les meilleures variétés de semences pour booster le secteur agricole tchadien. Dans cette optique, l'Institut expérimente depuis quelques années des variétés semencières dans son centre de Colobo. Ce point d'appui à la recherche est dédié uniquement aux activités de recherche sur le riz. C'est ici que nous produisons les semences de pré-base pour ravitailler notre point d'appui de l'ail. Et en même temps, toutes les activités de recherche jusqu'à sur le riz, en termes de protection, en termes d'introduction de nouvelles variétés, et aussi, y compris la maintenance de variétés, ça se fait ici. Oui, toutes les variétés qui sont vulgarisées au Tchad, qui sont inscrites dans le catalogue zéro, sont produites, leurs semences de pré-base sont produites ici. Et après, nous allons amener les semences de pré-base au niveau de notre point d'appui de l'ail. Nous produisons des semences de base. C'est les semences de base que les producteurs semenciers prennent pour produire les semences R1. Et ces semences R1 qui permettront de produire les grains alimentaires. Il appartient désormais aux producteurs de s'approprier les bienfaits de ce site pour améliorer leur rendement.